Bonjour à tous, bienvenue à la Paris Games Week sur le stand de Game One. Je suis avec le seul, l'unique, le génie, l'homme qui fait chauffer les cartes bleues plus rapidement que les femmes. Anne-Fan est avec nous, ça va ? Très bien, et toi ? Ça va, comment très ça bien. Comment ça se passe ? Bah, ça se passe Game Unbox, le retour. Bah oui, c'est génial. Et en plus, ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas fait. Bah, Anne-Fan, c'est le mec qui a fait deux Game Unbox dans sa vie, à chaque fois il est là. Voilà, et je le fais qu'avec Genius, voilà, bizarrement. Mais je vais le faire la prochaine fois ça avec d'autres personnes. Donc on va jouer à FIFA sur le stand de Game One, Paris Games Week, Porte de Versailles. N'hésitez pas à venir, on vous attend. Real de Madrid contre PSG, t'as le PSG. Bah moi j'ai pris le PSG forcément, je suis un grand fan du Paris depuis longtemps. Depuis très longtemps. Ouais, très longtemps. Moi je suis fan de Zinedine Zidane. Donc voilà Zizou. Zizou. Voilà. Qu'on embrasse qui ne regarde pas. Allez, parti. Allez, c'est parti. Real Madrid contre le PSG. Et bon, on joue à un jeu de foot. Moi je suis pas un expert. Bon, je tiens quand même à dire que cette année j'ai plus Zlatan, donc ça va être un peu plus dur. Ah, ça va être plus dur. Oh là, bah oui, parce que Cavani il marque pas très bien en fait. Cavani apparemment il galère au PSG. Ah voilà, on rappelle Anne-Fan est avec le PSG. Moi j'ai le Real Madrid, dédicace à Zinedine. Oh là là, il fait déjà des trucs de fou. Allez, on y va. Ouais, voilà, c'est bien joué. C'est bien joué. Ah, c'est bien fait. La distribution. Hop, on est parti. Je redribble. Oh là, on essaie de faire ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On est reparti. La passe. Oh là là, ça dégage. Et le premier corner. Bon alors, tes premières impressions vraiment, parce que toi t'as beaucoup joué à PES dernièrement. Honnêtement, je vais vous le dire, FIFA il y a les licences, FIFA c'est très connu, c'est un bon jeu, mais j'ai joué à PES 2017 et franchement PES 2017 je trouve mieux. Franchement, d'accord. Là je le dis, même Julien Tilou qui peut faire son coup de la galette ou je sais pas quoi. FIFA 17 je trouve mieux. Après PES 17 je trouve mieux. Oh là là. Ce FIFA 17 est quand même très bon, il y a des très bons gardiens. C'est beaucoup plus dur qu'avant, tu peux plus prendre Cristiano Ronaldo et foncer tout seul comme un goret. Mais voilà, je trouve que les sensations de jeu sur PES. Attention, la reprise de volée tout de suite. La reprise. Oh, c'est pas possible. Et non, il y a un défenseur. On est parti, voilà, on est parti encore une fois. Hop, le contrôle. Oh là là. Oh, c'est tout seul. Oh, il y a coup. Quoi ? Mais il n'y a rien, il a plongé. Il a plongé, on est d'accord. Il y a coup franc. Mais oui, tu vois. Hier, je me lève, il y a coup franc. Ça hue là, ça hue. Non voilà, toi t'aimes bien ce FIFA, on peut plus partir. Très honnêtement, j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup à PES. Ouais. J'ai toujours préféré depuis 2 ans, je pense que je préfère quand même le gameplay de PES. Maintenant, ouais. Très honnêtement, c'est quand même cool. C'est quand même cool de pouvoir jouer avec le Real Madrid et ouais. Pas le White MD. Le MD White. Ouais, c'est MD White, c'est un peu relou ça, j'avoue que ça c'est quelque chose que je supporte pas trop. Ah, voilà, c'est que les fans ont fait un boulot de malade. Ils ont vraiment changé plein de trucs, ils ont changé les pénaltys. Ils ont changé les corners, il y a un nouveau mode aventure. Vous incarnez vraiment un seul personnage, un footballeur. Exactement. Et vous grimpez vraiment. Non mais en termes de contenu, il n'y a pas photo. Hein. Ah non, il est super. C'est juste que voilà, le gameplay, c'est différent. Je pense qu'il y a deux écoles, il y a du PS et il y a du FIFA. Et Anne-Fan, il est bon, hein. il lâche rien. Je pense que c'est un jeu pour les deux, il y a un public pour les deux. Moi personnellement, cette année, je préfère PES 2017, même si Julien Tellouk va nous saouler, va nous dire ouais FIFA toute la journée. Voilà. Ouais, il va vous sortir aussi la fameuse théorie de la galette. Voilà la galette. La galette, ça, en gros, je sais pas si vous êtes au courant, vous posez les deux galettes, les deux disques tout simplement de PES et de FIFA, et vous regardez au bout de quelques mois lequel a pris la poussière. Et en règle générale, bon forcément c'est FIFA. Ouh. Ah mais je joue avec David Luiz. Ah, attention. C'est pour ça que la défense est un le peu... Le centre. Ah, oh, c'est pas possible, j'arrive pas à marquer à chaque fois, j'arrive pas à marquer à ce jeu horrible. Là. Allez, tout de suite. La frappe. Ouh, j'ai tenté un petit truc. Je suis sûr qu'il a tellement pas fait exprès de faire la fin de frappe. J'en suis tellement sûr. Bon, et par contre, comme PES, c'est vrai que le coup de prendre Cristiano Ronaldo et foncer tout seul, ça n'existe plus. Parce qu'à chaque FIFA au PES, tu te faisais plaisir avec un seul joueur et ça, c'est fini. Ah, ça c'était pourri. Je m'excuse, c'était pas voulu. Je défends. Je défends. Qu'est-ce que tu fais ? Ouh là 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 là. On rappelle les amis, on est sur le stand Game One à la Paris Games Week, Porte de Versailles. On veut tout le monde. Hein. Il y aura du cadeau, il y aura la Team G1, il y aura tout le monde. On veut tout le monde présent ici. Merci. Il y a du public cette fois-ci, comme l'année dernière sur le stand. Non. Il y a pénalty là, c'est rien, sûr. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Moi j'ai rien vu du tout. Madrid, voilà Madrid. Zizou. Zinedine. Oh, il a pas peur. Hein. Il a pas peur, Sanpan. Hein. Il a pas peur de dégager dans la surface. Mais non. La défense est là. Qu'est-ce que tu fais ? C'est dur de construire le jeu dans ce.
Ah non, j'ai raté la passe, désolé. Je m'excuse auprès des fans, je peux pas louper ce genre de choses. Voilà. Mais non, pourquoi en sortie? C'est pas possible. Vous voyez la pression qu'il subit là quand même. La pression du PSG. Dédicace d'ailleurs à tous ceux qui ont suivi l'e-sport. Le PSG ont ouvert le PSG e-sport. Maintenant c'est une équipe de jeux vidéo les gars, pas que de foot. Et ouais, ça fait plaisir, le PSG dans la place. On est dans la place, les joueurs de jeux vidéo. On représente. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Balle, balle, balle tout seul. Balle tout seul, balle tout seul, balle tout seul, oh balle là tout là, seul, mais c'est balle tout seul, tout seul, balle tout seul, et le crochet, le crampon. Non, c'est pourri. Je centre pas, je suis trop perso. Je suis trop perso. Il est bien mieux jouer sur cette interception. Tout de suite, Cristiano, la fin, c'est bien joué. Attention, du gauche. Mais non. Là 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 là. Le match Genus Alpan, c'est un classique, hein, les gars. C'est un classique. Hein. C'est, on joue notre ville. Hein. C'est bien joué, tout de suite. Oh là là, le jeu 2. Alors non, faut reconnaître qu'il était très très beau. Il était pas mal. J'ai fait mal. Une grosse erreur de défense, j'ai avancé mon défenseur. Et puis c'est parti. C'est une déception. Je connais même pas James. C'est qui ce James? Tu connais pas qui? James. Ah James, c'est celui qui n'est plus au Real quasiment. Il est encore au Real, James? Ouais. C'est GG qui est plus au Real. Bon, j'ai sauvé l'honneur, j'ai marqué un but, voilà. 1-0 contre l'ami Anfan. Qui a le PSG, mais je pense que vu son niveau, il va pas se laisser faire. Carrément pas. Carrément pas. Allez, on y va, c'est parti. Cristiano Ronaldo, il revient, il tripote. Qu'est-ce qu'il fait, Cristiano? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh là, il passe tout de suite. Il se fout de ma gueule parce que je fais des trucs. Oh, il est trop perso, Cristiano, il est trop perso. Oh, mais c'est tellement dégueulasse. La même. Ah, il n'y a pas la même, c'est bien joué. Attention, faut faire attention en défense. Une erreur de défense et ça peut être le but, hein, vous avez bien vu. C'est sans pitié, FIFA. Mais non, Cristiano, il est lent. Il est plus lent qu'avant. Hein. On peut plus aller tout seul. Ouais, mais bon, d'un côté, il garde la balle. Il a une priorité sur la balle qui est assez ouf quand même. Première mi-temps. Ça fait plaisir de retrouver la Game One Box. Bah oui. Ça fait plaisir. Et donc le prochain, c'est la NBA, je suppose. NBA, pour l'anecdote, ceux qui n'ont pas vu. Parce qu'il faut savoir qu'on se tape toujours les jeux de sport, nous. Hein. On ne sait pas pourquoi, On avait fait une Game One Box sur NBA. Ah, sur pas Game de One, NBA. Et je me suis fait défoncer parce qu'Anfan, il est très fort au jeu de basket. Voilà, et ça construit. Balle. C'est de la balle. Balle, il va centrer. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il revient. Et là, il centre. Allez, la tête tout de suite. Oh là 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 là. Benzema. Karim, Benzema. On embrasse Benzema. Qui a des problèmes, hein. Il a des difficultés avec Didier Deschamps. Mais on lui en veut pas, Karim. C'est un excellent joueur. Ah non. Ouais, bien joué l'interception. Cristiano Ronaldo. Il n'y a personne. En bas, il y a du monde, voilà. Allez, tout de suite. La petite spéciale, non, c'est nul ça. Oh. Allez. Ah non. Ah, allez. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous a fait? On est là dans Game One Box, Anfan contre Genus. On se régale, ça fait plaisir le retour de la Game One Box quand même à la Paris Games Week. Porte de Versailles, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et il nous fait rêver, Anfan, là. Il nous fait rêver. Non, c'est pour le gardien. Les centres, ils sont plus durs, non, j'ai l'impression. Bah, les centres sont un peu plus durs, effectivement. Ça passe beaucoup moins bien. Et surtout, j'ai l'impression que, par exemple, les attaquants, ils attaquent. Ils prévoient bien une chose. Oh, Julien est là! Oh, il y a Julien Tellouk! Oh, Julien Tellouk, il est là! Il met un t-shirt! Comme ça! On est en plein débit là. Il m'a déconcentré, Julien. Oh non. Et Julien, ça va? Comment va Julien Tellouk? Comment il va Julien Tellouk? Ça va tranquillement? La reprise de volée. Oh, c'est nul. Très honnêtement, devant le public, mais je crois que le match est pas génial. Le match est pas fou. Si personne s'endort, ça fait plaisir. Non, il y a des actions, mais c'est dur. Hein. Franchement, on n'a pas beaucoup joué à FIFA 17. Faut de la maîtrise. Ça va. On essaie de faire ce qu'on peut. Dans la Game One Box, le retour d'Anfan, la légende pour vous. Il est bête. Je l'avais vu en plus. Non, je me jette pas. Allez, attention, je me jette pas. Ah, je me jette pas, mais il est physique. Hein. Il est physique, le filou. Voilà. Et on dégage. Mais non. Non. Oh là 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 là. Toujours 1-0 pour Anfan. Dans la Game One Box. 1-0 pour moi, attends. Contre Anfan dans la Game One Box. Voilà, attention, tranquillement. Contrôle la poitrine. Il n'y a personne pour m'aider. Cristiano. Le geste avec la roulette.
la roulette, c'est pas grave, oh, ça passe. C'est quoi que t'as fié là, c'est dégueulasse. Ça passe quand même, ça passe quand même. Allez, c'est parti. Cristiano, hop, il revient, il est tout seul. Mais non, ouais, il reste tout seul. Mais David Luiz, il est nul en plus. Oui. Oh, ça a pas marché. Allez, entre les deux. Oh là là, la défense, c'est super difficile. Ouais, hein, Elmanstro, on l'appelle. De construire dans ce jeu, c'est super difficile, hein, franchement. Il veut. Je me jetterai pas. On a un message. Non, on a un message. Oh, oh, c'est pas possible. Je contrôle, les gars. Je calcule la transversale. Vite, j'espère que ça va s'arrêter très vite ce match. Je vais pas tenir longtemps comme ça. Allez, on dégage, ça. Voilà, on dégage. Allez, on est parti. Pitié, ne mets pas de but. Ne mets pas de but, Anpan. Non. Non. Y'a rien. Eh, je pousse, hein, quand même. Vous voyez que je pousse, là. Allez, c'est ça, il faut applaudir. Y'a rien. Moi, je suis là, je suis au score, je mène. On dégage, voilà, tranquillement. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il dégage la balle? 85e minute, bientôt, ça va être la fin du match et de cette Game One Box. On a créé le danger, bien sûr, côté parisien. Allez. Voilà. Sur l'aile avec Di Maria. Oh là, Anpan qui nous fait des petites magiques là, des petits trucs magiques. Anpan, attention Anpan. Et non. Il essaye, il construit, je le vois. D'un côté, j'aurais dû voir quand même Marco Verratti, il s'est pas tiré. Efforts, non, il mais fait des efforts, Anpan, mais je le sais. Il a du mal. Allez, c'est parti, voilà. Allez. Mais non. Je touche plus un ballon. Je ne touche plus un ballon, c'est pas possible. Sans problème, bonne conservation. Il est bon techniquement. Non ! Dégage ça, faut que je tienne jusqu'à la fin. Faut que je tienne, c'est pas possible, il fait qu'attaquer partout, non ! Non, voilà. Oh. J'avais vu. Cristiano Ronaldo. Ramos Rodriguez. Allez, voilà, c'est bien joué. Au milieu, c'est bien joué. Et je l'ai mis au fond. C'est nul. Ah non, c'est bon, je l'ai. Oh. Le ballon pour Cristiano Ronaldo. Et applaudissements pour Anpan. Bon, bravo à Genius, il est vraiment très très bon, il a profité. Bien joué. Et là-dessus, j'ai rien à dire. Très beau match. Merci. Dégage maintenant. Casse-toi avec Bella. Bon, merci en tout cas les Caster Turtle Beach, excellent, on est vraiment dans le match. Merci à vous en tout cas. Ouais, merci encore pour tout. Toujours sur le stand de Game One Paris Games Week, venez nous voir et à la prochaine pour Game One Box. Ciao. Ciao. Okay.